serait-ce que les chats, quand je vois qu'ils regardent de là, j'entends des bruits, parce que moi ça m'arrive, des fois je regarde la télé, et c'est un bruit qui couvre le bruit de la télé quand même. Ouais, ouais. Donc j'entends un bruit, je tourne la tête, les chats aussi. Et ils regardent. Alors je leur parle, je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as vu? Ah, puis ils sont concentrés. Hein. Ah, ils sont concentrés sur un... Ah oui, oui, oui. Ah oui, Et c'est généralement souvent ici. Ouais, c'est ça, c'est dans cette partie. Soir. Ok. Bon bah là, ça mérite d'être clair. Essayez de le toucher s'il vous plaît. Merci. Voilà, merci beaucoup. Merci bien. J'ai une question à te poser. Est-ce que tu peux éteindre la lampe s'il te plaît pour pouvoir me répondre? Merci. Est-ce que l'homme que j'ai vu tout à l'heure ou la chose, elle est avec toi en ce moment? Si oui, allume la lampe. Voilà, suite à la demande d'un ami qui m'a expliqué que bah, chez sa mère entendait des phénomènes, elle ressentait des présences et pas mal de choses comme ça, des bruits aussi un peu suspects, des choses qui étaient un petit peu voilà, bizarres, un peu anormales. Il est venu me parler pour me demander si éventuellement je pourrais passer chez sa maman pour vérifier tout ça, voir si je ressens des choses ou si je peux entendre ou filmer quelque chose. Ce que j'ai bien sûr accepté immédiatement, parce que c'est un ami de longue date. Et aussi pour rassurer sa maman, pour voir s'il y a vraiment quelque chose chez elle ou quoi. Donc voilà, donc je fais une petite pré-enquête, j'installe toute une série de matériel comme d'habitude. Et bah écoutez, on va voir tout ça et j'espère qu'on aura des résultats. Donc il y a un petit appareil qui est ici. Si vous en approchez, voilà. Normalement ici les capteurs ils doivent s'allumer quand on passe. Normalement. Ah mais c'est moi, donc c'est pas. Vu que c'est que moi, c'est normal qu'ils ne s'allument pas. Voilà. C'est normal. Il va démarrer après. Voilà, celui-ci on le reteste aussi. Voilà. Et donc il y a une caméra qui est là-bas. Et les K2 sont ici. Et les lecteurs et les enregistreurs aussi. Tu veux qu'on puisse filmer la photo de ton... Ouais, ça pose pas de soucis. Donc ici les mêmes mètres et les K2. Donc ici les mêmes mètres et les K2. Donc ici les mêmes mètres et les K2. Je ressens déjà la présence d'une énergie. J'espère que je pourrai rentrer en contact avec elle afin d'établir un dialogue et donner des réponses à la maman de mon ami.
Mais j'étais loin d'imaginer ce qui va suivre. J'installe un peu tout le matériel. Voilà. Il y a une lumière qui s'allume dans l'entrée là. Voilà. Ok. Donc ça c'est ton. C'est mon papa. C'est ton père. Hein. D'accord. Ok. Ok. Bon. Mon papa qui est décédé dans la maison. Qui est décédé dans la maison. D'accord. Mon papa qui est décédé. Qui est décédé dans la maison, d'accord. Mon papa qui est décédé dans la maison. Qui est décédé dans la maison, d'accord. Bon, ce qu'on va faire, on va descendre. On va voir. Hein. Et dans la chambre. Oh, on peut passer dans la chambre, bien sûr, oui. Passer dans la chambre. Pression dans la pièce là. Ah. Ouais, il y a une petite pression. Ouais, je le sais, j'ai les oreilles qui sifflent un peu. D'accord. Bon. Bon, on fera le test ici avec un K2 pour voir. D'accord. Ouais, on va faire le tour des pièces comme ça. Mmh. Je pense que. Je ressens une petite pression dans la chambre. Toi, c'est comme quoi, hein. Et pendant ce temps-là, tu vois les caméras dans la pièce, elles tournent. Mmh. S'il y a quelque chose qui se passe, on verra. Voilà. Voilà, ça va un peu assez calme ici, c'est marrant. Calme, ouais, c'est étonnant. Hein. Ça m'intrigue plus déjà, tu vois. Ouais, par contre, je ressens quelque chose. S'il y a quelqu'un avec moi ici, est-ce que vous pouvez vous approcher du petit boîtier que j'ai dans la main là? Ça fera juste réagir les petites lettres, ça les fera monter. Vous pouvez vous en approcher, s'il vous plaît? Je vais la poser là. Je vais la poser sur le lit, je n'ai pas besoin de faire plus. Voilà. Vous voyez le petit boîtier qui est là devant nous là? S'il y a quelqu'un ici, est-ce que vous pouvez vous en approcher s'il vous plaît? Eh, c'est bizarre, ça se balade dans la pièce. Mais bon, c'est pas quelque chose de. Non. Non, non. C'est plus de la curiosité, tu sais. Ah oui. Ça vient voir qui c'est, ça vient voir pourquoi ça vient ici. C'est un petit peu ça, tu sais. Ouais, c'est souvent ça, hein. C'est souvent ça. On a des sensations comme ça, puis d'un seul coup, c'est parce que ça vient voir un peu, quoi. Je sais pas si tu peux aller dans le garage, la chauffer. Bon, on peut tout essayer, de toute façon, on peut tout.
C'est le moment qui vient de parler là? Non. Alors j'ai entendu parler. J'ai entendu parler. C'est marrant, non? Bon, ça on l'entendra. Là au moment où je suis passé, j'ai entendu allô, un truc comme ça, tu sais. Je sais pas d'où ça vient. Ah. Vous êtes là? Putain, non. J'ai entendu nettement parler quand je suis passé là, c'est bizarre. J'ai entendu parler. Ouais. Bon, ça, après, ça peut se cacher, hein. C'est pas. Ah, c'était peut-être dehors alors. Ah, je sais pas. Bon, j'écouterai aux analyses. Ouais. Parce que c'était pas une voix de chien, c'était une voix de personne. Ouais. Donc, si quelqu'un a parlé dehors à ce moment-là, peut-être que. C'est vrai. On va démystifier tout ça. Tout à fait. Ah, il y a toujours le doute, tu vois. C'est... Ouais, c'est sûr. Il y a toujours un doute quand même. C'est vrai, il était Michel. Oui, oui. Michel n'était pas décédé ici. Non. Ah oui, bien c'est sûr. C'est possible. Ah oui, oui, les proches. Là, on a fait. C'est marrant parce que c'est une ambiance différente dans chaque pièce. Ah ouais. Ouais, c'est une ambiance différente. Ouais, c'est une ambiance différente. Ouais, c'est une ambiance différente. Ça filme bien, là. Ouais. Ouais. D'accord. Ouais, c'est étonnant. C'est un changement d'ambiance. Ouais, c'est étonnant, c'est un changement d'ambiance. Bon, non, c'est pas. Il n'y a pas d'oppression. Tu ne te sens pas oppressé particulièrement. Non, mais même ici à vivre dans la maison, il n'y a rien de. Toi, tu ne te sens pas oppressé. Tu ne te sens pas oppressé, pas angoissé, rien. Non, okay. Parce que des fois, ça peut se cacher justement et faire un peu la vie dure aux gens qui y vivent en temps normal, tu vois. D'accord, ouais. À ressentir des choses, je confirme. Je confirme, il y a bien quelque chose dans la maison. Après, pour l'instant, c'est pas bavard déjà. Hein. Donc, après, on va essayer de voir si en interpellant, peut-être qu'il y aura quelque chose. On fera une petite séance de ghost box quand même, histoire de dire. On va essayer de faire ça. Oui, les chats, quand ils sont à l'écoute, ils sont là-bas. C'est par ici qu'il regarde, oui. Oui, je sais, je sens que c'est dans ce passage-là. Là. Ouais, c'est ça. C'est le passage qui est ici, le petit passage qui est ici devant la porte. Là, là je ressens des choses ici, ouais, effectivement. Ouais. C'est pour ça que j'ai posé la caméra là avec le micro à côté. C'est, ouais, je sais, c'est par habitude. Ouais. Par habitude, je sais à peu près où je vais choper quelque chose. Mais quand il y a quelque chose, mais. Dans le doute, je ressens qu'il y a quelque chose dans cette partie-là, je préfère mettre le micro ici. Tu vois. Et c'est pour ça que j'ai mis cet appareil-là en face. Ouais. Comme ça, ça capte dans ce sens-là. Ouais. Mais ouais. Ouais, c'est. Je vous embête un petit peu, hein, ça, on remettra les petits tableaux après. Toi, des moments, ça m'arrivait avant. Donc, quand je m'asseyais là, oui. Le soir, ben, j'avais l'impression qu'il y a quelqu'un derrière moi. Oui, ben, ça je l'ai ici. C'est pour ça que quand j'ai dit quand je suis arrivé, j'ai cette sensation de présence. Ah d'accord, c'est ça. Ouais, j'ai cette sensation. C'est pour ça que j'ai mis des détecteurs de mouvement au cas où. Ah oui, d'accord. Parce que je ressens quelqu'un comme quelqu'un qui nous observe. Ouais. D'accord. C'est étonnant. Mais en fait, ça serait pas quelqu'un de néfaste en fait. Non, pas automatiquement. Mais ça peut être des gens curieux. Ah oui. Qui viennent. Voilà. Alors je mets ces petits appareils là.
Quand ça, c'est quelqu'un qui est là, ben, ça passe devant, ça va allumer les petites lumières. Oui. C'est tout ce que ça va faire. Oui. Donc, s'il y a quelqu'un, il ne faut pas qu'ils hésitent à passer. Voilà. Voilà. Du coup, on est là. Voilà, je suis là en père, je suis pas là pour. C'est juste rentrer en contact avec les personnes qui sont ici sur place. Donc. Il faut qu'ils le comprennent, ça. Faut qu'ils le comprennent, ouais. Ouais. Bah, en même temps, on n'est pas 36 à le faire. Donc, ils ne comprennent pas pourquoi quelqu'un vient. Pourquoi ils rentrent en contact, on ne se connaît pas. Tout à fait, c'est sûr. Je te dis, quand t'es dans une maison, des fois, on a l'impression d'être mal reçu. En même temps, t'es pas chez toi. Parce que pour la personne qui vivait ici, bah, elle est chez elle, dans sa tête. Qu'est-ce qu'il vient de faire chez moi, quoi. C'est exactement ça. C'est ça. Qu'est-ce qu'il vient de faire chez moi. Donc, l'intrus, c'est pas celui qui croit, c'est. C'est l'ancien propriétaire qui reste, qui pour lui est propriétaire encore des lieux. Quoi. Bah oui. Ce qui est logique, hein. C'est pour ça que dans un château qui date de 7 ou 8 siècles, il y en a eu qu'un, tu vois. Dans les anciens propriétaires, bah, ils peuvent avoir 2 siècles, 3 siècles. Oui, c'est sûr. Et par contre, en bas, tu vois, en bas, t'as rien particulièrement rien senti ? Non, j'ai une ambiance qui change un petit peu. Il y a la chambre là, du fond. Là, j'ai ressenti quelque chose, mais bon, c'est pas. C'est parti après. Après, c'est reparti. Mais là, je pense que ça tourne et que ça nous surveille. Ça rien c'est quelque chose, ça nous surveille. Il y a un peu ce qui se passe. Mais c'est pas. Voilà. Bon, c'est pour toi, ces appareils-là, tous les K2, c'est pour ça que moi, je les pose, parce qu'à la main, il suffit que tu mettes un coup. Alors, moindre petit truc, petit choc, n'importe quoi, ça s'allume. C'est très sensible. C'est pour ça qu'il faut les poser et pas les garder à la main. Parce qu'à la main, ça fausse tout clair. C'est pas fort. Comme c'est sensible au moindre. Il suffit que tu fasses ça, puis ça fait. Pour ça, quand je dis qu'il faut les poser, pas besoin d'un truc là, tac-tac. Ça va gérer. Il faut vraiment les poser, puis pas. Moi, pour ça, je dis je les prends pas là. Je préfère les garder. C'est mieux. Sauf si je me balade avec la caméra, j'ai pas trop le choix, mais je le tiens et je le serre pas. Et je cogne pas, quoi. Là, ça a l'air d'être un peu calme. Ça a l'air d'être calme. Après. Et c'est vrai que c'est que par mouvement. Ah oui. Donc, T'as entendu. Moi aussi j'ai entendu. Comme un froissement. J'ai pas rêvé. Ok. Je vais vous mettre un petit boîtier là au sol. Ah d'accord. Ok. Ah oui. Donc il y a quelque chose ici, on est d'accord, j'ai compris, vous êtes ici. Voilà. Bon. Là. Ouais. Avant, c'était la chambre de mes parents, Régis. Ouais. C'est là que ton père est décédé. Ouais. Donc bah, si vous êtes là, vous pouvez vous approcher de la petite antenne, vous faire un petit message, et puis ce sera très bien. C'est sans danger, ça ne vous fera pas de mal. Hein. Je vais le poser même sur la petite table ici. Voilà. Je le pose ici. Voilà, si ça vous dit, vous approchez de la petite antenne et puis ça va sonner. Ça c'est. C'est à la place où ton père est décédé. Ouais. Voilà. Parce que c'était la chambre. C'est ça. Donc, comme quoi. Bon, bah, allez-y, continuez à nous donner des signes. Hein, s'il y a quelqu'un ici, n'hésitez pas. Et donc, ce prénom, c'était André. André. Nous, on l'appelait Dédé. D'accord. Ok, bah André, hein, si vous êtes ici, n'hésitez pas à vous approcher des appareils et puis de faire réagir. Et là, tu me dis quand même, quoi, tu vois. Et oui, comme quoi.
surpris là parce que quand on s'est approché et que ça a bougé. Ah, bah quand ça réagit fort comme ça, c'est que. D'accord. Oui. Donc là, comme je dis, ça peut être un bug, mais si c'est un bug, je préfère le savoir avant tout. Ah oui. Par contre, c'est toujours l'éternel problème, ça. Voilà. Ok. Voilà. Donc, si vous êtes là, vous pouvez toucher la petite antenne qui est ici, d'ailleurs. Voilà, ça fait de la lumière. Voilà. C'est surprenant, hein. C'est surprenant. Je gardais la caméra à côté de moi quand même, on sait jamais. Ouais, parce que là, c'est tellement gros que... C'est rare que ça réagisse fort comme ça. C'est assez rare que ça réagisse fort comme ça. Ouais, c'est surprenant. Par contre, le détecteur de présence fonctionne absolument pas. Je ne sais pas pourquoi. Pourtant ils sont bien chargés tout et tout hein, mais bon je pense que c'est bizarre. Voilà, je vais la garder ici comme ça, on va filmer ça là, comme ça si jamais ça sonne au moins on verra d'ici. Ouais, non tu vois comme quoi il y a des réactions quand même de temps en temps. Ouais, c'est vrai que c'est bizarre en fait. Bah, surtout à un endroit précis comme ça. Mmh. Ouais, c'est ouais, l'endroit c'est... où on potentiellement peut avoir quelque chose. Ouais. C'est quand même assez étonnant. Mais je sens pas une ambiance pesante ou malsaine. Ouais, c'est ça qui est. Après, il faut savoir qu'il n'y a plus de notion de temps pour eux. Ouais. Bon, oui. L'avantage c'est qu'on peut rien avoir un contact oui, oui. 20 ans, 50 ans plus tard. Ah oui, bien sûr, oui, oui. C'est ce côté-là qui est, on va dire, intéressant, parce que j'entends sur des choses des fois qui ont plusieurs siècles. Donc, oui, bien sûr. Le temps s'arrête après. Il n'y a plus cette notion de temps. Le temps ici, il est lié à notre enveloppe charnelle, si tu veux. Mais dès qu'il n'y a plus cette incarnation, enfin, il n'y a plus ce souci de temps. D'accord. Parce que j'avais entendu dire, enfin j'avais lu, que des fois, des terrains qui sont vendus, et puis qu'il se passe des choses, et en fait, ça pourrait être sur un cimetière ou des choses comme ça. C'était le cas chez mon pote, le frère. C'était une maison pélante. Son garage, il y avait une crypte à l'intérieur. Et puis dans le terrain, la cour qu'il avait devant lui, c'était l'ancien cimetière. Ah ouais, c'est pour sauf ça. Que les tombes sont encore dedans. C'est pas étonnant. Hein. Donc, enfin, oui, il y avait beaucoup d'activité, oui. C'est sûr. Trop. Trop d'activité. C'est sûr. C'est le cabanon, je suis en train de penser, on n'y a pas été. On va dans la toupie à tout faire. Ouais. Ouais. Ah bon, on va y aller. Oui. On va y aller. Mais là-bas, je Oui, je n'ai pas senti quoi que ce soit par là. Hein. C'est pas grave, on peut oui, prendre toujours aller voir, oui, c'est sûr. De toute façon, c'est toujours bien de faire le tour d'une maison, de se présenter, dire pourquoi on est là. Oui, bien sûr. Il y en a qui étaient un peu réceptifs, ce genre de choses, donc ils vont rentrer en contact plus facilement aussi. Mais voilà quoi, mais c'est pas... C'est vrai que... Mais moi je reconnais que je ressentais plus de choses avant que maintenant. Depuis que Michel est parti, j'ai eu cette impression que... Enfin, c'est peut-être idiot ce que je veux dire, mais j'ai eu l'impression qu'il est parti, il savait que j'avais peur de certaines choses et qu'il me protège. Il protège, oui. Ça peut être comme un ange gardien, complètement. Ouais, c'est ce que je pense. Oui, c'est possible. Ouais. C'est possible. Bah, souvent, nos proches nous protègent. Oui, je pense aussi. Hein. C'est très souvent. Oui, je pense aussi. Mais après, le problème, c'est qu'ils sont tellement discrets qu'on a beaucoup de mal à avoir des interactions. Ah bah oui, ça... Et bah, avec un proche, c'est encore plus difficile d'avoir des réactions qu'avec quelqu'un d'inconnu. Bah oui, bien sûr.
C'est ça qui est... Alors c'est paradoxal et puis c'est embêtant en même temps. Bah, ouais, ouais. Justement, la majorité des gens cherchent un contact avec ses proches. Bah oui, c'est étonnant, mais... Bon, on se fait un petit tour au petit garage pour voir, tester. Je vais regarder ça. Hop. Ce que je vais faire, je vais reprendre la petite caméra qui est là. Bien, celle-ci, elle me parle, la caméra, très bien. On a vu l'enregistrement. Donc, je vais quand même prendre ça. Tu veux en prendre un appareil pour voir, pour tester? Écoute, il y en a un qui en va. On va prendre celui-là parce que du coup, tu vois. Et donc, si vous êtes là, n'hésitez pas à toucher aux appareils qui sont là en place. Hein. Nous, on va s'en aller. Si vous avez un message à nous laisser, bah, n'hésitez pas. Si vous avez un petit message à nous laisser, vous pouvez laisser un message dans les appareils. Les faire sonner. Voilà, il n'y a pas de souci. Ils sont là pour ça, ils sont là pour vous. Ah, au niveau de batterie faible. Là, comme quoi. Alors qu'elle était pleine. Ouais. Comme d'habitude. C'est marrant, c'est sensation ici, waouh, c'est un truc de fou. Tu ressens quelque chose ici. Mmh. Ah oui. Ah ouais, ça fait marrant l'ambiance ici, c'est assez étonnant. Il a dû y passer du temps. Hein. Ah, ben, son père, il a travaillé là, bien sûr, mais tout ce qui est rangé comme ça, c'est Michel. Mmh. Michel qui a rangé, qui a remis même du bois pour consolider tout ça, empêcher l'humidité, et c'est lui qui a tout accroché tout ça. D'accord. Là c'est marrant, on ressent une présence là, c'est vraiment du... Et ça c'est vrai, Michel il a passé beaucoup de temps ici, c'était un peu son endroit préféré. Tiens. Ah oui, tu vois. Il y a le deuxième à côté, je crois. Vous êtes là? Vous êtes ici? Il n'y a rien d'allumé là. Bah, si vous êtes ici, faites bouger les petits appareils qui sont devant nous. Approchez-vous des boîtiers pour les passer au rouge. Ça fera juste des lumières. Tu vois qu'il y a une réaction, bah, c'est quand même étonnant. C'est pas le. C'est à quoi de brancher le poste? Il y a peut-être quelque chose de branché, ouais, pour voir. On sait jamais. On éteint la lumière juste pour voir. On éteint la lumière. Ouais. Non, non. Regarde. Ah, ouais. Non, il y a bien une réaction. Ah, bon. Tu vois, c'est pas toujours l'endroit qu'on pense. Mmh. Mais c'est incroyable. Si c'est ton lumière, approche-toi de l'appareil. Franchement, pour que ça augmente le niveau. Ben, c'est pas facile. Je sais si c'était ton endroit préféré, où je vais. Approche-toi de l'appareil. Fais-nous un petit signe. Il n'y a rien d'électrique autour, on est d'accord. Hein. Ça le brancher peut-être. J'essaie de débrancher pour moi. Oui, débranche, on sait jamais, parce que là ça me paraît tellement. Ça me paraît quand même. Il n'y a plus rien, d'accord. Donc c'est un problème électrique alors. Et ça n'empêche pas qu'il y a quand même une ambiance ici. Donc c'était un problème électrique. Ah. Parce que je me suis dit, c'est pas possible. Parce que ça bouge pas. Ah, oui. Ouais, voilà, normalement ça. Normalement ça oscille, toi, et puis là ça restait figé. Mmh. Ok, donc bon, bah ça on a démystifié le truc. Ouais. Donc c'était pas ça. Par contre, il y a quand même quelque chose ici, ça c'est sûr. Oui, oui. Ouais, il y a même encore, j'ai même pas jeté son Lego. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah tiens, d'ailleurs. On va poser là.
Bah, si il y a quelqu'un, il y a encore ici, si vous êtes ici, approchez-vous de ces petits appareils pour voir ce que ça... Juste pour entrer en contact avec nous. Je ressens une présence, donc il n'y a pas de raison, approchez-vous. Hein. C'est sans danger, ça vous fera pas mal, et nous, ça nous donne juste une preuve que vous êtes là, c'est tout. C'est étonnant. Mais tu vois, voilà, tu vois, ces lumières qui sont fixes comme ça, ça ressemble plus à une source d'énergie électrique. Oui. Parce qu'autrement, ça redescend, ça. Et ça rebouge que. Là, c'était resté fixe. Donc, c'est plus un problème électrique. Et donc, on dit tout s'explique, là, ça s'explique. Oui, c'est sûr. Non, il n'y a rien de. C'est bizarre. C'est pareil, c'est discret. Ça reste, mais c'est là. La présence est là. Par contre, quand je viens là, parce que des fois je viens chercher des trucs, ben, je me sens pas oppressé. Du tout. Non. Je me sens bien. Ah non, mais justement, j'ai dit, on sent bien, c'est frais, c'est. Non. Mais je sens la présence. Là. Oui. Mais pas d'hostilité pour autant. Ok, bon. Et encore une fois, essayez de vous approcher du petit boîtier juste pour nous faire un petit signe. Juste un petit signe. Non. Montre-nous que tu es là. Hein, Michel? Ou André? Bon, des fois, ça met du temps un petit peu à répondre. Mais... Allez, approchez-vous du boîtier si vous êtes là. Essayez de vous approcher du boîtier, s'il vous plaît. Ça fera juste des petites lumières, c'est tout ce que ça fera. Ça fera juste des lumières. Non. Oui. Pas envie. Oui. Bon. On va persister alors. Oui. Voilà. Mais non. Je vais allumer, tu vois, ça va réactiver le truc. Voilà. Et là, c'est fort, tu vois. Et là, au moins, voilà, tu vois, on prouve, là, voilà, une explication, c'est la source électrique. Là, il n'y a pas de souci. C'est sûr. Et puis, un peu, de toute façon. Voilà. Alors, celui-là, il peut être un petit peu plus sensible. Et si on reste. Voilà, toi, il y a une zone ici où c'est froid. Bah voilà, tu vois, ça se confirme, hein, tu vois. Pour ça, quand je dis que les appareils sont fiables. Je veux dire qu'ils sont fiables, ça donne la même valeur, hein. Il n'y a pas de. Là, tu peux remettre, tu te mets ici. Tu reviens et hop. Voilà. Vas-y, on le fait en même temps. Voilà. On est d'accord, hein. C'est. Il n'y a pas de. Voilà, on a beau dire que ça ne marche pas, moi je veux bien, mais c'est bien synchronisé. Tout à fait. Voilà. Hop. Allez, on revient une dernière fois. Voilà. C'est sûr. Donc c'est fiable à tous les coups. Hein. Oui. Tu vois, c'est pour ça que je dis ça. C'est, les appareils, on dit, oh, mais ça marche pas. Bah, ça marche pas. En attendant, la preuve que si, quand même, tu vois. Ça te donne bien la bonne valeur. Et puis, tu vois, on a bien une source électrique. Donc, il n'y a pas de doute, c'est bien une source électrique. Quand il n'y a plus d'électricité. Oui, là, c'est vrai. Là, c'est pas pareil. Pour ça, quand on me dit, ah, c'était le Wi-Fi. Je suis dans un bunker, la première maison est à 800 mètres. Hein. Oui, on est à 15 mètres sous terre, les murs ils font 1,80 m d'épaisseur. Ah oui. Je ne pense pas que ce soit le Wi-Fi. Non, c'est sûr. Des fois il a du mal à aller dans les chambres. Hein. Ouais, donc les gars, à un moment donné. Là on parle pas de Wi-Fi quoi. Il y a encore beaucoup à faire ici. Ouais. Bon, bah, ça fait déjà une petite pré-enquête déjà qui peut être sympa. Hop là. Vous voulez rentrer? Non, vous voulez rentrer? Oui, bah là je vais. Dès que j'ai fini, on a fini, je vais vous dire. Hop, pardon. Merci.
Donc nous revoilà. Il est 18h35. Alors ça, c'est, je le fais pour les synchronisations, c'est les sons et tout ça. 18h35. Donc on va pouvoir reposer les cadeaux et puis voilà. Donc on a bien vu, hein, ça marche bien. Ça a bien détecté quelque chose, mais c'était électrique. Ouais. Donc voilà. Ça, bon, c'est... On n'est pas parti avec des idées, on savait ce que c'était. Mais... Ouais, c'est ça. Là, tu vois, on va pas inventer un truc, on voit que c'est apparemment une source électrique. Bon, bah, c'est une source électrique, quoi. Mais au début, ça surprend parce que, bon, mais il y a quand même, on ressent une présence, quand même. Ouais. Après, peut-être pas suffisante parce que ça ne réagit peut-être pas avec les K2. Ouais. Toujours le même truc. Ouais. C'est pas automatique, ça se trouve, on va avec la Ghost Box et ça fonctionne. Ouais. Tu vois, comme quoi, on peut pas. Tout à fait. Bah, à la limite, on va pas rester trop, on va juste faire ce petit bout d'enquête, mais je pense qu'après, ça vaut peut-être le coup de revenir. Mm-hmm. On pourra réessayer une fois quand on revient et on fera séance Ghostbox un peu dans les pièces et tout pour voir. On fera une spéciale de Ghostbox parce que là le problème c'est que à cette heure-là, ouais. Y a peu de chances qu'on ait des choses. C'est plus vraiment vers le soir qu'on peut avoir des contacts comme ça. Mm-hmm. Là en journée, je peux, enfin, on peut en avoir tout le temps, oui. 24 sur 24. Mm-hmm. Hein. Mais on sait qu'il y a des choses qui sont plus. Le soir. Ouais. Bah oui, c'est sûr. Ouais, c'est plus bavard, c'est beaucoup plus bavard. Bien sûr. Alors moi, je vois, ne serait-ce que les chats, quand je vois qu'ils regardent de là, j'entends des bruits, parce que moi, ça m'arrive, des fois, je regarde la télé, et c'est un bruit qui couvre le bruit de la télé, quand même. Ouais, ouais. Donc, j'entends un bruit, je tourne la tête, les chats aussi, et ils regardent. Alors, je leur parle, je dis, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que t'as vu? Ah, puis ils sont concentrés. Hein. Ah, oui. Ils sont concentrés ah, sur ah, un... Ah oui, oui, oui. Ah oui, donc, c'est... Et c'est généralement souvent ici. Ouais, c'est ça, c'est dans cette partie-là, ouais. Et souvent c'est en hauteur, hein. Les chats, ils regardent un coin, ils regardent le coin là-haut, et c'est ici, tu sens qu'ils sont omnubilés par ce truc là. Et des fois tu vois leur tête qui fait ça, qui suit un mouvement, ça revient. C'est comme s'ils observaient une mouche ou un truc, il n'y a pas de mouche et rien. Eux ils voient ce que nous on ne voit pas. Hein. Les chats, c'est. Puis tu vois bien, ils suivent, tu vois les deux têtes en même temps, c'est quand il y a deux têtes qui suivent le même mouvement, tu te dis là, il n'y a pas de doute. Il n'y a plus de doute, parce qu'eux, ils voient bien quelque chose quand même. Et ils sont bien synchro, hein, donc il y a bien quelque chose qui se passe. C'est sûr. Ok, bon. Bon, on va, pour l'instant, bon, je vais juste poser la petite caméra pour voir. On va refaire une petite pause vite fait, et puis après, on va voir ce que ça donne. Hein. Mais bon. Pour l'instant, c'est calme. Hein. Pour l'instant, c'est calme. Ok. Ok. Voilà. Bon, l'avantage, c'est qu'il me dit niveau batterie faible depuis tout à l'heure, on a continué à filmer, donc c'est très bien. Ouais. C'est ça. Ouais, si déjà la personne, elle est déjà pas bavarde à la base, on va pas avoir le même discours. Ouais, c'est ça aussi, quand t'as quelqu'un qui est pas déjà très bavard à la base, tu peux pas t'attendre à des grands discours. Oui, c'est sûr. Mais par contre, des fois, leur dire de nous donner un petit signe de quelque chose, et puis, des fois, on a des fois, on a un beau, si par exemple, si t'es là, est-ce que tu peux cogner dans les murs, et t'entends un bon boum dans le mur, tu te dis, c'est un signe. Ça, on fera cette expérience-là, on la fera une fois. Oui. On aura, je installerai des trucs, puis des petits capteurs de... Et ça, il faut que je le prenne, mon petit vibrapod, là, c'est un petit système, quand on le met contre le mur, quand on demande de taper dans le mur, si ça tape de faim, des petites têtes, elles font ça dans le mur. Ah oui. Ça réagit à la vibration. Ah oui, d'accord. Donc c'est une petite vibration, ça l'entend, ça la capte. Ah oui. Et des fois, c'est quand même surprenant. Hein. On est tapé deux fois et tu vois la tête qui fait. Alors des fois, on met l'appareil à côté, on l'entend très faiblement, mais l'appareil a ressenti la petite vibration de la deux chocs. Les deux connements. Comme quoi. S'il le fait trois fois, on verra trois fois la tête faire ça. C'est vrai. Mais bon, après c'est comme ça, et puis il faut prendre à avoir peur. Tant que c'est pas agressif dans une maison, c'est, voilà, pas, c'est, grave. Ça, c'est pas grave. C'est vrai que moi, si j'avais ressenti des choses mauvaises, je...
Alors oui, j'aurais peur de rester. On le sent à différentes choses, on sent la température qui baisse dans une pièce assez rapidement. Ah oui. Ça, c'est annonciateur quand même de quelque chose. Ah oui. Mais quand je dis c'est rapide. Hein. Ah oui. Bah là, comme tu as vu avec Marine, il fait 28,5 dans la pièce. Ah oui. Elle ressent comme quelque chose qui s'assoit sur ses genoux, ah oui. qui est froid. Ah oui. Ah, regarde, il fait 21. Ah oui. Donc on a perdu 7 degrés en un coup. Oui, en effet. Là, pas bon. Ouais, là, c'est autre chose. Ouais. Là, c'est particulier le ressenti. Ouais. Puis tu le prouves, là, physiquement, il y a un changement de température. Il y a 7 degrés de moins. On sent. C'est comme si là, il fait 22 dans la pièce, on passe à 15. On va le sentir tout de suite. Ouais, hein. C'est sûr. Tu le sens, le changement. Hein. C'est pas 1 degré qui change, ouais. C'est 7 d'un coup. Hein. C'est ça se sent. C'est vrai. Là, je reconnais. Bah, c'est un peu le principe d'une maison où il y a du soleil dehors, il fait chaud, tu rentres dans une pièce qui est climatisée. Tu le sens. Ouais, il n'y a pas de. C'est sûr. Tu le sens tout de suite. Mm-hmm. Mais ouais, je pense que soir, je pense qu'il y a plus d'énergie ici, je pense. Ah ouais. Ouais. Mm-hmm. Ici en journée, on sent que c'est un peu en pause, c'est un stand-by. Ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir des... C'est pour ça que maintenant, le soir, je ne me mettrai pas là, tournant le dos à l'escalier, je ne le ferai pas. Ouais. Parce que je sais que j'ai senti des fois, ça m'est arrivé, mais même du temps de Michel, hein, de me retourner parce que je sentais une présence, tu vois. Ouais. Donc maintenant, si je dois m'asseoir, je me sois là en face. Oui, en face, ouais. Ah ouais. Mmh. Ouais. Ça, c'est vrai qu'il y a des fois des choses que l'on fait différemment. Mmh. Ouais, c'est marrant d'ailleurs, cet escalier, il est attirant. J'ai le regard qui va souvent par là. Ouais. Ah donc oui, il y aurait peut-être bien quelque chose, un passage, quelque chose ici. Ouais. Ah. Marrant, ça. Mmh. Mmh. Alors pareil, il n'y a rien de malsain non plus. Hein, mais oui, oui, oui. Il n'y a personne qui est tombé dans l'escalier ici. Ben, son père, il a glissé une fois. Mais il ne s'est pas fait très mal. Hein. Mmh. Il a glissé parce qu'il est... Il était en train de laver le chien, et puis donc le chien était mouillé, et lui il avait les pieds aussi mouillés, ouais. Et il est descendu dans les escaliers, puis ses pieds ont glissé, donc il est tombé dans les escaliers. Dans les escaliers. Mais c'était pas fait très mal. Hein. Je vois quelqu'un qui va dans cette direction-là, ouais. Et qui tombe un peu sur le dos. Quoi. Et ben, il était tombé sur le dos. D'accord. Parce qu'il avait, il portait le chien. D'accord. Alors donc il n'a pas pu se retenir. C'est ça. Et ça, c'est vrai, effectivement. C'est pour ça que je reviens souvent dans ces... C'est bizarre parce qu'en plus là on n'en avait pas parlé. Hein. Non mais je renvoie des images de ce qui se passe dans les lieux. Ah, c'est compliqué, hein, ouais, je sais. On dit non, la maison il ne s'est rien passé ici. Ouais. Je pense que si. Je vois des scènes, des trucs, je me dis oula. C'est vrai que là. Ça me surprend parce que c'est vrai que même à toi, tu savais que ton père était tombé une fois. Tu vois, t'aurais pas été là, j'aurais dit. Tu t'en rappelles pas. Moi, je sais que je m'en rappelle, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'était une chose que je n'aurais pas parlé autrement. C'est vrai que c'est une chose à laquelle je n'aurais pas pensé. Ouais, ça fait un peu les pieds qui glissent et puis tomber sur le dos. C'est ça, ouais, parce qu'il avait lâché, je crois que c'était lui là. Il avait eu là, parce que c'était lui là, il avait eu là dans les bras parce qu'elle était mouillée, il ne voulait pas qu'elle se secoue. Ouais. Alors donc il l'a prise dans les bras et il était pieds nus, bah, il l'a glissé. Mais il a même eu de la chance de ne pas se faire plus mal que ça, parce que les marches, là, c'est pas du bois. Hein. Ouais, c'est pour ça que je dis la maison, ils ont des mémoires, on ressent des choses dans les maisons. Les murs s'en prennent. Ah, ça c'est. On ne croirait pas, mais si. C'est vrai que oui. Non, il y a plein de... Oui, on sent qu'il y a un peu vécu ici, mais il n'y a pas de... C'est des choses de la vie courante. Il n'y a pas de phénomène... Je ne pense pas avoir eu de phénomène bizarre. Après, on n'a pas fait peut-être pas toutes les pièces et pas aux mêmes heures et tout ça. Je ne ressens pas quelque chose de très... Déjà, rien d'agressif pour l'instant. Ça fait une petite heure qu'on est là. C'est sûr. Ouais. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que mes détecteurs de présence ne marchent pas. Alors, ça, c'est un grand mystère, je ne sais pas du tout pourquoi. C'est étonnant. Quel œil ne bouge pas ici. En bas, ils ont trop bougé, mais on a compris pourquoi. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait une énergie dans le petit garage. On sent la présence de quelqu'un, ça c'est sûr. Maintenant, pareil, c'est pas hostile non plus.
Bon, on sent qu'il y a déjà quelqu'un qui est resté longtemps dedans. Oui. Ça, je le ressens bien. Ouais. C'est marrant. Oui, parce que c'est vrai que ton père a vécu 31 ans ici, puisque la maison, quand il est parti, il est décédé, ça faisait 31 ans qu'il était avec moi. Mmh. On était mariés. Mais... Et puis après, il y a Michel. Michel, lui, avait vécu 25 ans avec moi ici. Donc. Ouais, donc il a quand même vécu. Oui, quand même. Il a quand même vécu, quoi. C'est vrai. Ouais, au moins 56 ans de vie ici, quoi. Mmh. Ouais, quand même.